Bonjour la famille, bonjour tout le monde, Fatoumé, Louis Diallo, Madame Damaro. Yeah, je vous aime trop, quand je vois, c'est écrit Madame. Pardon, vous appelez quelqu'un, on te coupe, attendez que la personne te rappelle. Je finis, je te bloque, même si c'est qui. On te bloque, tu attends. Pardon. Hey, c'est pas le 00 là, ça est là. Toi, Diallo là, je t'ai bloqué. Comme vous. David. Belle, Fat, pourquoi tu m'as bloqué? Je t'ai bloqué où? Si c'est sur cette page, tu as écrit mon frère. Je t'ai bloqué où sur ma page? Si j'ai bloqué, c'est que tu m'as insulté. Je ne peux plus jamais répondre aux injures. Donc toute personne qui m'insulte, je te bloque. À moins que tu crées un autre compte, tu viens. Et ça aussi, tu insultes, je bloque. Tant que tu crées, tu insultes, tu ne te fatigues pas. Je ne vais pas aussi me fatiguer à bloquer. Donc c'est un peu ça. Sinon, je ne bloque pas. Tu veux aller où? Passe par là. Ça, tu... idée. Non, je dois aller poser la clé. Ça, oh, okay. Idée. Je suis... Hey! Une mouille de cam, please. Ah, ok, allez, cam. Ah. Allez faire les focas. Allez, bah oui, on area. Allez, bah Kobaya. Allez, bah Kobaya, où ça y est? Ok. Ok, y'a pas de soucis. Non, mais c'est quoi ton problème? Moi, je suis en direct, bon. Je sais que t'es en direct. Voilà. Non, mais quoi? Quoi, c'est pas la peine. Je viens à Oumbu, comment? Mais pardon, quand vous appelez quelqu'un, on vous bloque, attendez que la personne vous rappelle. Surtout sur ce numéro-là. Le numéro-là, c'est VIP. Donc, pardon. Et... Fatiguez-le, Madame Damaro. Je suis là. Madame Damaro! La femme des Konya, c'est moi. Et je suis fière, hein? Très fière. Bientôt le mariage, Inch'Allah. Une fois mon mari est là, on va vous donner la date. Comme je vous ai dit, ceux qui ont les cartes, gardez. Ceux qui n'ont pas les cartes, on va vous remettre. Merci, je suis de cœur avec vous. Mon mari et moi, on vous dit merci. Voilà. Donc, monsieur ou madame, je ne sais qui, parce que vous savez, vous, les moutons de l'IFTG, vous avez trop de faux comptes. Vous aimez prendre les photos des filles, vous mettez. Pourtant, c'est des garçons. J'ai vu ton message que tu as amené à Ada, elle m'a envoyé. Que Ada de ne pas être avec nous et tout et tout. Hé, hey, mon frère ou ma soeur, je ne sais. Moi, Ada, elle faisait ses directs ici. Est-ce que tu m'as vu avec Ada? Ce n'était pas mon problème parce que je ne la connaissais pas. Mais le jour où elle s'est dit, elle est RP, juste... qui à partir de maintenant, elle est du RPG arc-en-ciel. Moi, mon rôle, c'est d'approcher les gens qui aiment le RPG et qui aiment le président de la République. Sans même attendre. Je ne vais pas attendre que le président ou un ministre ou je ne sais qui du RPG me dise « Fatou, il y a quelqu'un qui a des chers et il faut rencontrer la personne. » Non, je le fais moi-même. C'est ça le boulot des frères militants du RPG. Quand tu vois quelqu'un qui s'est déclaré RPG, tu viens voir la personne, tu l'approches, tu l'expliques comment ça fonctionne. Donc moi, c'est pourquoi j'ai approché Ada. C'est vrai parce que moi, je ne suis pas une blogueuse. Mamoudou, Barera dira au Mounia si y'a Kossi, parce que tu fais exprès, tu me vois en direct, maman. Tu sais, tu fais exprès, je sais, tu le dis, Mouni en direct. Toi, je n'y ai pas de problème. Je suis en direct et puis tout le monde t'entend. Et quand tu termines, quand tu es en train de c'est quoi? Tu es pressé, on va me dire, ma fala, j'arrive. Et puis, dans la live, je te jure, tout le monde t'entend. Un frère, brother. Désolé, hein, ça c'est sur la page de. Il y a tout le monde, il y a ma belle famille qui est là.
Allez, Gaffa, vraiment, tu sais, quand tu as un frère fou, là, c'est ça, qui fait exprès de couper mon live. Là, il m'appelle pour aller. Moi, il me rend des bonnes affaires, mais. C'est eux. C'est bien, Escoroya. C'est mon Congo petit ça. Frère aussi, c'est ça. Ils adorent faire le Congo ça. Congo ça. Oui. Allô? Oui. Papa? Quel de mes enfants? Ah, ok. Comment vas-tu? Ça va? Je suis d'accord. Maintenant, je suis en direct là. Tu me laisses finir. Dans une heure, tu m'appelles. Là, je serai tranquille. Ou dans deux heures même, parce que dans une heure, là, je serai toujours occupée avec mes frères, là. Tu me rappelles dans deux heures, ça va? Yallah, oui, tu vas faire retrait. Eh, hey, ma maman chérie est là. Maimouna Chérif. Bonsoir, Heidi. Il est direct là. Il est bon, il est chéri. Ça va? Ça, c'est mes belles sœurs, les femmes cognières. Oh, je suis fière d'eux tellement. Ça, c'est ma famille. Je vais aller à Damaro. Je vais aller préparer pour eux. Ils vont, je vais me mettre à terre. Ils vont marcher. Mes belles sœurs vont marcher sur moi. Je suis cette femme-là. La femme soumise. La femme qui aime son mari. Qui aime la, sa belle famille. Néléodie. Le meilleur mari des maris, c'est les autres ethnies. Je sais, j'ai bien fait aussi de le dire. Quand la femme peut être heureuse, là, il faut épouser un Konya ou un Malinké ou un Soussou. Parce que eux, là, ils connaissent c'est quoi la valeur d'une femme. Donc j'ai vécu l'expérience, je connais de quoi je te parle. Là, dis-là, il a la Oui, oui. Allô? Allô, bonjour, Nyelo. Bonjour, Nyelo. Nyelo est en direct. Alenye, je te rappelle, hein? Ah, je t'ai envoyé un message. Sur ce numéro, là? Je suis en direct là, je finis, je te rappelle. Hmm? Ok, ok, pas de problème, ok. Thank you. Oh, je veux lire le message, voir. Non, j'ai pas vu le message, mais mon téléphone là est plein, j'ai 500 et quelques messages. Donc, vous avez vu, non? Mon direct là, je suis pas concentrée, mais désolée. Voilà, ça fait partir aussi. C'est un peu ça, Fatoumé. Je suis là pour tout le monde. Je peux pas donner à tout le monde, mais j'ai le peu de temps que j'ai. Je partage avec les gens, communiquer, parler. Voilà. Ma maman chérie, Maimouna Chérif, Haïdara, je t'aime, mon. Love you so much. Le chérif Haïdara, c'est mes mamans. C'est ma maman, c'est la petite soeur de ma maman. Magnifique, merci, c'est gentil. Donc, je vous parlais de Ada. Vous qui appelez Ada, j'ai vu les messages. Moi, Ada, elle ne m'intéresse pas en tant que blogueuse. Je ne suis pas une blogueuse, moi. Ada faisait ses lives ici. Je ne l'ai jamais cherché. Je ne l'ai jamais... Je t'ai même pas abonné sur sa page parce que moi, ça m'intéresse peu. Les pages sur les réseaux sociaux, c'est Barry White. Quand les vrais gens, je regarde, je suis abonnée sur cette page. Mon bébé Ansou Damaro et Mamoudou Silla, Nielé, ma page Tigui, puis voilà Marino. Même Marino, c'est quand elle s'est déclarée RPGiste que je me suis abonnée sur sa page. Donc, Serge Amoussa, lui, on est amis depuis et voilà. Moi, c'est les personnes qui parlent du président d'Alpha Condé. Je suis abonnée sur leur page. Wallahi billahi ta'ala. Et les autres, là, sur la tombe de mon père, je ne suis pas abonnée. Je ne veux pas voir, je ne cherche même pas. Parce que c'est quand tu regardes, tu vois des choses que tu n'aimes pas. Et ce n'est pas intéressant. Des personnes qui ne font que raconter du n'importe quoi, mentir. Moi, j'aime écouter quelqu'un qui me donne, en fait, qui peut rajouter quelque chose à moi. Je t'écoute. Je prends des points qui manquaient à moi. Je les rajoute. Mais
aller raconter, écouter du borobara, mentir, mentir seulement. Moi, je ne suis pas une militante de l'IFDG, je ne suis pas montant, moi, pour écouter du n'importe quoi. Les autres pages, là, ils ne racontent que du n'importe quoi. Des gens qui se disent, ils combattent. Et moi, je fais un combat, ma communauté. Tu vois, là, peut-être toute personne qui dit ça, la personne est faible. La personne est faible. Même si c'est un malinqué aujourd'hui, il a une page où il dit que moi, je combats pour mon ethnie, je ne vais pas. Ah non, il y a donc un accord sur la langue directe dans notre langue. Il a un décon ou il a un dilan. Il y a FDZ. Bu ma kono wadi billahi ma to jono parler kono wadi tu hein ah et puis yo donc quand ma tu vas regarder il fait exprès je jure ça on attend papa madame ko ruma tu as bien fait de couper la lande lui c'est mon ami il est IFDG on a grandi ensemble je vous jure en 2010 il avait rêvé de Alpha Condé il est président en 2015 il a rêvé il m'a expliqué. En 2020, hier, il m'a appelé, il me dit encore qu'il est fâché parce qu'il a vu Alpha Condé président. Je dis, Bouba, ça, c'est pas moi, c'est Dieu qui t'a montré ça. Adhère au RPG, tu laisses celui d'aller. Là où je vous parle, là, il a fui, il est parti se réfugier au Sénégal parce qu'il a tout perdu. Il avait, c'est un grand commerçant, il est jeune, mais il avait tout ici. Je vous jure, à cause de l'IFDG, il a tout perdu. Là, actuellement, il est au Sénégal, même quoi manger. Non, ça, il a. Je ne faut pas que j'exagère. Bon, bah, j'ai bien fait. Tu me suis, non? Et c'est la vérité. Il faut confirmer ici, comme tu regardes. Eh, toi, Tchernouri, là, c'est moi, tu insultes, je t'ai bloqué. Mon mari est en dessous, ma belle famille est sur la page, là. Donc, même si je suis impolie, eux, ils ne le sauront jamais. Ils vont dire que nous, on a une femme digne, sage, respectueuse. Malgré, même quand je réponds, elles savent que c'est vous. Wow. Allô? Saoudine, je te rappelle, je suis en langue directe, je te rappelle. Donc, eux là, ma belle famille là, voilà mon impolitesse là, ils vont entendre, mais ils vont jamais me voir. Parce que moi, je me mettrai à terre. Ils vont tous marcher sur moi, mes beaux et mes belles. Donc, Bouba a rêvé encore. C'est lui-même qui m'a appelé. Je vous jure, hier, il m'appelle, il dit qu'il a rêvé d'Alpha Condé encore président. Je dis, Bouba, ça, c'est pas moi. Ça, c'est toi-même. 2010, tu as vu. 2015, tu as vu. Là, 2020 aussi, tu as vu. Donc, laisse tomber. Moi, notre seul candidat, c'est Alpha Condé. Je vous ai dit, s'il dit vraiment qu'il ne va pas accepter notre choix, là, je veux mettre l'essence pour moi. L'histoire va parler. Retenez à moi, quand je dis, je fais. Si Alpha refuse ce que nous, le peuple de Guinée, on l'a demandé, là, d'accepter d'être encore le candidat du RPG arc-en-ciel, s'il refuse, je vais mettre le carburant sur moi. Je vais me brûler net. Si je ne le fais pas, je ne suis pas fatiguée. Moi, quand je parle, tout ce que je dis, je fais. C'est un peu ça, moi. Donc, Alpha Condé, tu refuses. Tu as cadavre et c'est à cause de toi. Voilà. Donc, toi qui as parlé à Ada, là, moi, je ne suis pas une blogueuse. Et je ne suis pas en manque de personnes. Je ne suis pas en manque d'amis. D'ailleurs, moi, les filles, ce n'est pas mon genre. Moi, mes amis, c'est les hommes. Je m'entends bien avec eux. Mes amis, c'est mes frères. Lui, c'est mon frère. C'est mon cousin, c'est mon frère. Donc, avec eux, je m'entends. Nilo est là. Et toi, le salaud ou quoi, je ne sais. Tu dis que tu as des gens avec qui je suis proche. Donc, Adana qui a se méfier de moi. Moi, mes proches, c'est ma famille. Actuellement, mes proches, c'est Ansou Damaro, mon bébé. Lui, il est très proche de moi. Nilo, Corboya, Binani, Mamoudou, Junior. C'est eux mes proches. Pour le moment, quand quelque chose m'arrive là, c'est eux qui sont au courant de tout. De mes trucs, de tout. Donc, à part les gens là, personne n'est proche de moi. Personne. Même mes soeurs, mes petites soeurs de même mère, elles ne sont pas proches parce que je ne veux pas les mêler de certaines choses. Quand il y a élection, eux, ils vont aller voter. Ils ont tous voté RPG.
Mais même dans l'IFDGC, nous, toute la famille était là-bas, mais c'est moi, Fatou Ngele, et Ousmane Ngele qui était vraiment... Allô? Allô? Ouais, là, bonjour. Je suis en direct là, Nani. T'as le carburant? Ouais, ça peut suffire pour l'instant. Ok. En tout cas, tu sais, on se travaille pour nous. Ça, c'est possible. C'est toi qui vas le savoir, toi, Amadou Houry Diallo. Vous allez le regretter ici. Vous, moutons de l'IFDG, espèce de raciste que vous êtes. Kono Aldi, Aldi Sayan, vous allez mourir de haine et de chagrin ici. Nous, on s'en fout de vous. Nous, là, on s'en fout de vous, la communauté IFDG. Vous allez tout perdre ici. Tu as vu Boubano, il est au Sénégal aujourd'hui. Il n'a que quoi à manger. Il a tout perdu à cause de ce mouton, c'est Loudalé. De l'ethno, c'est Loudalé. De l'assassin, c'est Loudalé. Le délinquant, c'est Loudalé. C'est Loudalé qui envoie les enfants d'autrui au dehors pour les faire tuer. C'est Loudalé qui a construit, il n'a pas pu, quand il était ministre ici, ministre, premier ministre, c'est Loudalé n'a pas pu faire quelque chose pour les gens là. C'est Loudalé qui a fermé SGS. Moi, j'ai mon frère et ses amis. Ils avaient ce problème avec mon père à cause de Selou. Ils ont dit que Baben, toi, tu ne connais pas Loudalé. Loudalé a fermé SGS ici quand il était premier ministre. Donc, quand il était ministre, au lieu d'augmenter les entreprises, c'est de fermer. Là, maintenant, lui, tout ce qu'il a pu faire pour sa communauté, IFDG, c'est cimetière à Bambetou. C'est tout ce qu'il a pu. Et puis, il est fier quand il y a quelqu'un, quand il y a des morts. Et puis, lui-même, il a pris les armes, il a donné aux militants. Je sais, je suis témoin, je sais. C'est Loudalé, les armées, ces militants, ils sont tous armés. Hein? Les tueries qui se sont... Wanindara, là. Il a armé des gens. Les gens là sont allés tuer là-bas. C'est lui dans sa tête que lui il se dit que plus de morts, plus Alpha Condé et Sali, plus de morts, plus que la communauté internationale va mettre la pression sur Alpha Condé. Hey, c'est lui, on s'en fout de toi. Alpha Condé a Tewala. Amoussi Gamadade. Donc, ici, c'est Alpha Condé, la communauté IFDG. Vous êtes contre ce monsieur. Il ne vous a rien fait. Vous êtes contre parce que vous voulez le pouvoir. Vous pensez que le pouvoir se ramasse comme ça. Vous pensez que le pouvoir, c'est un truc à vendre. Quand tu as l'argent, tu viens acheter. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Il y a combien de milliers de personnes? Combien de millions de personnes? Mais parmi ces personnes-là, Dieu prend la personne que lui-même, Dieu, il sait que cette personne pourra gérer les millions de personnes-là, il le met à la tête. Même au-delà, les présidents sont jugés à part. C'est écrit dans le Coran. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous êtes contre Alpha Condé. Il ne vous a rien fait. Vous êtes contre l'ethnie Malinké. Vous êtes contre l'ethnie Soussou. Vous êtes contre l'ethnie... les autres ethnies. Vous êtes même contre vos propres ethnies qui soutiennent les autres ethnies. Vous êtes qui, la communauté IFDG? Vous pensez quoi? Nous, on va mettre fin à ça. On en a marre. On en a marre. Toi qui as dit à Ada que moi, Ada de ne pas me suivre, que moi, je fais des règlements de compte. J'ai bien fait contre Selou Dalé. Et j'assume aussi mes propos. Je veux déstabiliser Selou Dalé. Que c'est Loudalé est à la tête de l'IFDG, moi Fatou Ngele, je ne vais pas fermer ma bouche là, je ne vais pas me reposer. Le jour où Selou n'est plus président de l'IFDG, sur la tombe de mon père, je vais mettre croix sur Selou Dalé, je ne vais plus jamais parler de lui. Mais tant que le dictateur là, le pervers là, parce qu'il est pervers, ça je vais le dire parce que c'était, je vous ai dit, c'était mon copain, on a fait 3 ans ensemble. Donc le pervers c'est Loudalé là, tant que il est à la tête de l'IFDG. Où moi, mon papa l'a envoyé pour lui mettre. Je veux parler de lui. Il va laisser ce parti. Mon combat contre Selou Dalé, je veux le mener. Moi, je vous ai dit, le combat là, ce n'est pas le combat du RPG.
Ça, c'est un combat de mon père. Et je n'ai pas vu une personne qui va me faire stopper parce que je mène un combat de mon père. Il n'y a pas cette personne. Même Alpha Condé, il me dit aujourd'hui, je ne veux pas ce que tu fais. Ce que tu dis à propos de Selouda, je lui dirai, papa, moi au RPG, je suis là, je vous soutiens. Le combat que je suis en train de mener contre Selouda, ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec le parti, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit du RPG. C'est un combat de mon père. Et quand on est digne, là, et quand on est enfant béni, là, quand le combat de tes parents, il faut mener sans eux. Mon papa ne vit plus. C'est lui a manqué du respect. Tant que je me réveille, je vois c'est lui à la tête de l'IFDG, je veux manquer du respect à ce pervers, c'est lui d'aller. Donc toi, Escoro International qui a dit à Ada, là, moi Ada c'est une blogueuse, je ne suis pas une blogueuse. Hein. Moi j'ai approché Ada parce que c'est une militante du RPG Arc-en-Ciel. Demain elle dit qu'elle n'est pas RPG. Si je vois Ada que je crève dans l'enfer, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Mon bébé Ansou Damaro, je l'aime de tout mon cœur, c'est mon amour, c'est ma vie. Demain, il dit qu'il n'est pas dans l'esprit du président Alpha Condé. Je dirai, mon vrai, je suis désolée. Moi, dans tout RPG, d'ailleurs, ce que j'ai eu, c'est toi. Pourquoi toi? C'est parce que tu mènes un combat, le combat de mon papa Alpha Condé. Donc, c'est là. Ça, c'est Ansou, hein? C'est de Ansou, je vous parle. Je préférerais briser mon cœur. Je vais souffrir parce que je l'aime, j'ai trop d'amour pour lui. Je vais souffrir. Il y a un jeune qui dit ces jours passés là que Ansou, si Ansou va m'épouser, il va aller demander pardon à la communauté Peul. Vous êtes fou ou malade? Est-ce que Ansou a fait quelque chose à la communauté Peul? Il n'a rien fait. Mon bébé n'a rien fait. Il parle de l'IFDG. Il a raison. C'est des moutons. Il faut savoir faire la différence entre les moutons de l'IFDG et la communauté Peul. C'est différent. Il y a la communauté IFDG, il y a la communauté Peul. Moi, je suis Peul et je suis fière de l'être. Quand Ansou s'attaque aujourd'hui au Peul, c'est moi-même qui va m'attaquer à lui. Et Ansou même, d'ailleurs, il adore les Peul. Pourquoi? Tu as vu? Est-ce que vous avez vu les belles filles qu'on y a qui existent sur ce jeu? Il y a des belles filles, des jolies filles, des jolies dames. Même les mamans de Konya, elles sont jolies et belles. Des dames qui ont des enfants, tu les vois, tu es fière. Il a laissé tout ça. Je vais t'insulter. Il a laissé toutes ces personnes-là, il veut d'une fille Peul. S'il n'aimait pas les Peul, pourquoi choisir la maman de ses enfants Peul? Il sait que quand moi, j'aurai des enfants, ils vont avoir le sang Peul. Ils vont téter le lait du Peul. Les enfants vont, comment je vais appeler, les enfants auront l'éducation des Peul. Ces enfants vont parler le poulard. Si lui, il n'aimait pas les Peul, pourquoi demander? Pourquoi dire que moi je veux une femme Peul, je veux Fatoumielo? Arrêtez vos démagogies là. Arrêtez ça. L'ethnocentrisme là, ça ne nous amène nulle part. Donc, Ansou ne va jamais demander pardon à qui que ce soit parce qu'il n'a rien fait à l'ethnie Peul. Tout ce qu'il fait là, d'ailleurs, il aide la communauté IFDG. Un jour, ils vont se rendre compte que Ansou était leur ami parce que lui, il le disait. Il conseille même, bébé, mais arrête même, je n'ai même, il faut même pas parler comme ça là, parce que deux fois tu dis des choses, même moi je ne, parce que tu les aides à se débarrasser, comme c'est des moutons là, laisse-les là-bas. Gaï, va demander pardon. Moi j'ai ma famille, tout le monde est pour le mariage de Ansou et moi. C'est quoi votre problème? Oui, est-ce que vous, la communauté IFDG, on se connaît? Moi je m'en fous de vous. Tant que vous ne sortez pas de vos idées ethnocentrisme là, ma communauté, moi j'adore les personnes qui se battent pour toutes les communautés, pas pour une communauté. Moi, je ne veux pas. Je suis Peul, je suis fière d'être Peul, je suis Peul, je suis guinéenne moi. Donc, et je suis Peul, j'adore la communauté malinké, je suis Peul, j'adore la communauté soussou, je suis Peul, j'adore toutes les autres communautés. Voilà. Donc, je ne vais jamais me battre pour moi, ma communauté. Je veux me battre pour toutes les communautés et pour la Guinée. Voilà. Où vous parlez, là? Hein? Peul. C'est quoi entre... Écoute, pardon, les prières, là. Quand on dit Ramadan, là, les Peul, eux, leur gêne, là, c'est différent des autres ethnies. Eux, ils gênent comment, les Peul? Hein? Vous,
la communauté IFDG, comme vous croyez supérieure aux autres, là, quand on dit Ramadan, c'est à quelle heure vous commencez à jeûner? C'est à quelle heure vous coupez? Les autres ethnies le font à quelle heure? Il y a une différence? Jeûner là, vous commencez à quelle heure? Les gens se réveillent pour manger à quelle heure? À 4h, non? Pour finir à 5h10? Ou bien? Ou c'est seulement les peuples qui finissent à 5h10, les autres ethnies, non, eux c'est à 6h. Il y a une différence? Les prières là, la rupture de 19h, les peuples, vous c'est 21h, les autres c'est 19h, vous les dépassez en quoi? La communauté IFDG. Les prières qu'on fait là, 6h, les deux là, les deux rakas là, vous vous faites 4 ou 6, les autres font quoi? À 14h, vous vous faites 12, vous faites 4, les autres font. Arrêtez cette démagogie là. Vous n'êtes pas supérieur aux autres. Nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous égaux. Moi aujourd'hui, dans le RPG, je vois un malin qui se comporte de ce genre. Je vais lui dire, hey, stop there. Tu n'es pas supérieur aux autres. Je vois mon mari Konya faire des choses, je lui dirai stop. Ça ne va pas nous aider à avancer. Nous sommes tous appelés. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Personne n'a payé. Je pouvais être sénégalaise, je pouvais être burkinabé, je pouvais être ivoirienne. Mais pourquoi je suis guinéenne? C'est Dieu, non? La Guinée, les Guinéens, nous sommes tous les mêmes. Donc, la communauté IFDG, débarrassez-vous de vos idées ethnocentrismes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon combat... Et toi, le même escroc qui a dit que « Ada, tu as vu la vidéo de Fatou hier, c'est comme si elle est découragée. » Moi, me décourager à cause d'Alpha. Le jour où je vais me décourager à cause d'Alpha, qu'Allah reprenne ma vie. Alpha Condé, je vais mourir pour ce monsieur-là. Moi, mon Kolongo, vous pensez que moi, c'est Manamana. Moi, quand je dis « je fais », sur la tombe de mon père, si le jour où je vais me décourager à cause d'Alpha, qu'Allah reprend moi ma vie. Je ne vais jamais me décourager. Jamais plus grand, jamais. Parce que ce que lui, il a fait pour nous, là, l'amour qu'il nous a donné, là, seul un ingrat peut le faire. Et nous ne sommes pas ingrats. On est très loin d'être ingrats. La famille, ce n'est pas ça. Nous, ce n'est pas notre étiquette. C'est celui qui a l'étiquette ingrat. Nous, c'est pas ça. L'ingratitude, on connaît pas ça. On n'a jamais connu, on va jamais le connaître. Papa nous a bien éduqué. Il nous a dit d'être reconnaissant envers les personnes qui ont fait du bien pour nous. Et d'approcher les personnes qui sont conscients, qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Et c'est Alpha Condé. Il sait ce qu'il veut dans sa vie. Il est constant et loyal. Et nous sommes constants et loyaux. Pourquoi pas être avec lui? Moi, me décourager. Moi, je dis la vérité. Moi, quand il peut RPG, ils font quelque chose qui est anormal, je vais leur dire, mais ce n'est pas ici sur live. Non, non, non. Hier, j'ai fait, c'est pour quelques petites personnes qui pensaient que moi, on prend de l'argent, on me donne leur argent, je mange. Moi, je ne vais même pas. Je vous ai dit, il y a deux choses que j'aime beaucoup. La viande, l'argent. Si ce n'est pas pour moi, ne me montrez même pas. Ne me donnez pas pour donner à quelqu'un. Je ne veux pas. Ça, je le dis haut et fort. Hein? J'aime l'argent. J'assume, j'aime l'argent. Mais moi, c'est moi qui utilise l'argent et non l'argent qui m'utilise. Donc, ça, c'est là la différence. Donc, s'il vous plaît, toi, l'escroc international, je ne sais pas si tu es fille ou homme, hein, tu as envoyé le message là à Ada. Moi, Ada, c'est parce qu'elle est du RPG qu'elle m'intéresse. Si elle n'est pas du RPG, elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéressera même pas. Ça, je le dis aussi haut et fort. Je ne suis pas une blogueuse. Ok, je ne suis pas en manque de famille. Moi, je ne veux même pas d'amis. Mon ami, là, c'est mon Nansou Damaro. Mon confident, là, c'est mon Nansou Damaro. Ma vie privée, quand je veux parler, c'est avec mon Nansou Damaro. Donc, tout ce qui me concerne, là, quand je veux parler à une personne, c'est à mon bébé Nansou Damaro. C'est mon mari, c'est mon amour, c'est mon confident. Il est tout pour moi. Donc, je n'ai pas besoin, moi, d'aller. Même à mes frères, hein, je ne dirai pas, moi, ma vie privée aux gens là. Donc quand j'ai des choses à en discuter, je le fais avec Nansou Damaro. Et je sais, il va toujours me mettre sur les rails. Donc toi qui as amené le message là, Ada de prendre ses distances et tout, tu as des fiales là. Donc moi, Ada, c'est parce qu'elle est du RPG. Je veux vraiment qu'elle soit dans les bonnes mains.
Et dans le RPG, quand tu es avec les femmes, tu es dans les bonnes mains. Ça, c'est clair et net. Voilà, ça, je le dis à qui veut l'entendre. Ah ah, nous sommes les enfants de Alpha Condé, ils nous aiment. Ça, même quand on ne le dit pas, tout le monde est au courant. Et je suis fière, nous aussi, on l'aime. Je donnerai moi ma vie pour le président Alpha Condé, Alpha Béni Bâtisseur Condé. Donc, vous, les escrocs internationaux, vous m'intéressez peu. Je vais même voir après mon bébé quand il va faire son direct là. Je veux rentrer dedans, on va parler un peu. Moi, je m'en fous de vous. Je vous mets un peu la musique de mon papa et puis voilà, je vais vous laisser.